Comment empêcher les voleurs d'activer le mode avion afin que vous puissiez retrouver votre iPhone volé? La paix soit sur vous, mes chers amis et abonnés de la chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, avec vous, il y a une belle, nouvelle et importante vidéo pour tout le monde. Empêcher les voleurs d'activer le mode avion afin que vous puissiez retrouver votre iPhone volé. Mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aimez et partagez pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Regardons maintenant la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Cette vidéo sera composée de deux parties. La première partie explique comment empêcher les voleurs d'activer le mode avion afin que vous puissiez retrouver l'iPhone volé. La deuxième partie est comment connaître le pays d'origine de votre iPhone. Je vais maintenant commencer par la première partie, qui explique comment empêcher les voleurs d'activer le mode avion afin que vous puissiez retrouver l'iPhone volé. Le mode avion sur votre iPhone désactive toutes les radios sauf Bluetooth. Étant donné que le mode avion désactive le Wi-Fi et les données cellulaires, vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels ni envoyer de messages textes, mais vous pouvez écouter de la musique, jouer à des jeux ou utiliser toute autre application ne nécessitant pas de connexion Wi-Fi ou connexion cellulaire. Étant donné que la fonction Find My d'Apple nécessite une connexion Wi-Fi ou de données cellulaires pour signaler votre position, l'activation du mode avion est généralement l'une des premières étapes par voleur d'iPhone. Prends care et cesse de partager la position de votre iPhone. Voici comment les empêcher de le faire facilement. Sur la plupart des modèles d'iPhone récents, vous pouvez accéder au centre de contrôle en faisant glisser votre doigt depuis le point supérieur droit de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil sur l'iPhone SE et les iPhones plus anciens dotés d'un bouton accueil. Cela se fait en faisant glisser votre doigt vers le haut depuis le bas. Par défaut, le Control Center est accessible sans déverrouiller votre iPhone et les commandes du mode avion, du Bluetooth, des données cellulaires et du Wi-Fi se trouvent en haut du Control Center. Cela permet à un voleur ou à toute autre personne mettant la main sur votre iPhone d'activer plus facilement le mode avion et de déconnecter votre iPhone du réseau Find My. Heureusement, vous pouvez facilement empêcher les voleurs d'accéder au Control Center sans de passe ni authentification biométrique, Face ID ou Touch ID. Voici comment procéder. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et choisissez Face ID. And supported apps and games on your phone. Si vous utilisez un iPhone SE ou un modèle antérieur avec un bouton accueil, entrez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité. Faites défiler jusqu'à la section Autoriser l'accès lorsqu'il est verrouillé. Désactivez l'option Centre de contrôle. Vous pouvez également désactiver d'autres fonctionnalités ici si vous préférez ne pas être accessible depuis l'écran de verrouillage. Si vous utilisez un iPhone avec Face ID, c'est une bonne idée de désactiver la plupart de ces fonctionnalités. Votre iPhone détectera votre visage et se déverrouillera simplement en le regardant. Même lorsque vous êtes sur l'écran de verrouillage, vous ne devriez donc avoir aucune difficulté à accéder au centre de contrôle. Depuis la sortie 10 ans au S13 il y a quelques années, la fonction Find My d'Apple peut utiliser Bluetooth pour suivre un iPhone perdu, même s'il est hors ligne. Si votre iPhone perdu n'est pas connecté au Wi-Fi ou au cellulaire, mais que le Bluetooth est activé, Find My utilisera n'importe quel appareil Apple à proximité pour détecter le signal Bluetooth de l'iPhone et signaler son emplacement, de la même manière que fonctionne AirTag. Malheureusement, si vous avez précédemment désactivé Bluetooth manuellement après avoir activé le mode avion, votre iPhone s'en souviendra et désactivera automatiquement Bluetooth la prochaine fois que vous activerez le mode avion. De plus, un voleur peut désactiver Bluetooth depuis le centre de contrôle aussi facilement qu'activer le mode avion. Bluetooth a également une portée plus limitée qu'une connexion Wi-Fi ou cellulaire, ce qui signifie que votre iPhone risque de ne pas être en mesure de signaler sa position s'il n'y a pas d'autres appareils Apple à proximité pour le récupérer. Suivez votre iPhone en mode avion. Si un voleur parvient à s'emparer de votre iPhone, à activer le mode avion et à désactiver Bluetooth, vous pouvez toujours espérer que vous pourrez au moins voir son dernier emplacement connu. Ouvrez l'application Find My sur un autre appareil ou connectez-vous à iCloud.com avec votre identifiant Apple et votre mot de passe, puis sélectionnez Find My. Sous la liste des appareils, sélectionnez votre iPhone perdu. Avec un peu de chance, vous pourrez voir sa dernière localisation. Nous comprenons certainement la commodité d'accéder au panneau de configuration depuis l'écran, de verrouillage de votre iPhone. Si vous ne souhaitez pas avoir besoin de Face ID ou d'un mot de passe pour accéder à votre tableau de bord pour le moment, cela vaut la peine de le savoir dans les moments où vous souhaiterez peut-être ajouter une couche de sécurité supplémentaire, comme lorsque vous voyagez. D'un autre côté, si vous perdez souvent votre iPhone, envisagez de supprimer définitivement le panneau de configuration de l'écran de verrouillage pour augmenter vos chances de le récupérer. De plus, si vous utilisez Face ID sur un iPhone récent, il fonctionne si rapidement pour vérifier votre identité et déverrouiller votre iPhone que vous ne remarquerez probablement pas le changement, sauf si vous êtes dans une situation où votre iPhone ne vous reconnaît pas. Comment connaître le pays d'origine de votre iPhone? Avez-vous récemment acheté un iPhone d'occasion? Si c'est le cas, vous vous demandez peut-être d'où cela vient. Heureusement, Apple vous soutient. Apple propose un moyen simple et rapide d'indiquer l'origine de votre iPhone. Ce n'est pas parce que votre iPhone ne vient pas des États-Unis qu'il ne fonctionnera pas dans votre région, même si vous voudrez peut-être faire attention aux différences de fréquence 5G, car un iPhone du Canada ou de Guam ne prendra pas en charge la technologie MM-wave dans les États-Unis. Par exemple, connaître le pays d'origine de votre iPhone est simple et ne prend que quelques minutes. Tout d'abord, vous avez besoin du numéro de modèle de votre iPhone. Tous les iPhones sont accompagnés d'un numéro de modèle, qui dans ce cas vous aidera à déterminer d'où il vient. Obtenir le numéro de modèle est simple. Voici comment le trouver. Ouvrez l'application Paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Général. Accédez à Propos. En haut de l'écran, vous trouverez la section Numéro de modèle. Deux numéros sont disponibles et le numéro affiché par défaut est le numéro de pièce, qui commence généralement par la lettre M, bien qu'il puisse parfois être N ou F. Cependant, nous recherchons le numéro qui commence par la lettre A, suivi de 4 chiffres. Cliquez sur le numéro de modèle pour le trouver. Comment savoir à quel pays appartient votre iPhone? Bien que les 4 dernières lettres du numéro de pièce puissent indiquer le pays dans lequel votre iPhone a été vendu, les mêmes modèles sont souvent vendus dans plusieurs pays. Le numéro de modèle est donc tout ce dont vous devez vous soucier car il représente la configuration matérielle. À l'aide du numéro de modèle, vous pouvez découvrir dans quel pays votre iPhone est conçu pour fonctionner le mieux. Pour vérifier cela, accédez à la page Identifier votre iPhone d'Apple. Cette page vous donnera plus d'informations sur l'iPhone que vous possédez et d'où il vient. Tout ce que vous avez à faire est de faire défiler vers le bas et de trouver votre modèle d'iPhone. Une fois que vous l'avez trouvé, accédez à la section Numéro de modèle et recherchez le numéro de modèle de votre iPhone pour savoir d'où il vient. Par exemple, voici les numéros de modèle de l'iPhone 15 Pro Max A2849, États-Unis ou Porto Rico, A3105, Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite et îles Vierges américaines, A3108, Chine continentale, Hong Kong et Macao, A3106, autres pays et régions. Bien que les iPhones vendus dans chacune de ces régions puissent avoir des numéros de pièces différents car ils représentent des couleurs, des capacités et des différences d'emballage. Le matériel interne d'un iPhone 15 vendu au Canada est le même qu'à Guam ou au Japon, et ils prennent tous en charge le même. Fréquence 5G. Cependant, si vous souhaitez des informations plus précises sur la provenance de votre iPhone, vous pouvez trouver une liste de numéros de pièces sur le wiki Apple. Trouvez la source de votre iPhone. Localiser le pays de votre iPhone n'est pas difficile du tout. Comme vous pouvez le constater, cela prend moins de 5 minutes. Le site web d'Apple contient des informations sur tous les iPhones existants, en commençant par l'iPhone d'origine. Vous pourrez donc obtenir plus d'informations, quel que soit l'âge du modèle de votre appareil. À la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.